Le problème, c'est que lui, il a piqué mon mec. Mais il m'a pas piqué mon mec. Non, je l'ai piqué. Allez, une fois, elle m'a appelé pour me dire que Baptiste était parti avec un boss et que l'autre, c'était lui. T'appelles ça comment? Mais moi, ma montre, qu'est-ce que ça change? Mais c'est vrai. T'aurais préféré qu'il parte avec quelqu'un d'autre? J'aurais préféré qu'on n'en parle pas. Eh ben, on n'en parle pas. Merci. Bon, Roxane, il est là, c'est le moment de parler. Tu peux vider ton sac. Bon, on va peut-être pas en faire toute une histoire non plus. Ah non, on va pas en faire toute une histoire. La situation est totalement normale. Hein. Après tout, c'est pas important. Une petite trahison en famille, rien de plus classique. Hein. On traque. Bon, Roxane, il t'a menti et Baptiste aussi, il t'a menti. Oui, bon, ça va, il a menti et après. Mais toi, c'est mieux de mentir pour préserver l'autre. Ah bon? Tu mens souvent, toi? Mais tout le temps. Regarde-moi. Mais... Anouk, c'est moi qui t'ai balancé comme le mur. Enguerrand, non, tu n'es pas surdoué, tu es juste chiant. Et Roxane, désolé, c'est moi qui ai embouti ta voiture. Attends, tu croyais que t'étais un génie, toi? Mais non! C'est la meilleure, celle-là. Ah ouais? D'accord? Je devrais peut-être dire à Aline ce qui est réellement arrivé à son hamster, alors. Tu sais, Aline, ton petit hamster biscotte, porte une crise cardiaque. Enguerrand, tais-toi. Disons que la crise cardiaque a été légèrement provoquée par un petit tour dans l'aspirateur. Oui, bon, bah, je sais, mais là, il était un peu aspiré. Et après, t'allais chercher mon sac. Oui, elle a voulu camoufler son assassinat en mort naturelle. Sam, ah, donc c'est comme ça. Ok, Enguerrand, au collège, j'ai piqué ton fond de teint. Roxane, c'est moi, elle picotait avec Romain dans le bureau. Enguerrand, il disait à tout le monde que tu étais sa mère. Roxane a toujours.